Bonjour. Si vous êtes là un petit peu en avance, moi je suis en avance parce que je voulais voir si tout se passait correctement. Voilà, je mets les mains. Aujourd'hui, vous n'allez pas me voir parler, vous allez voir mes mains et ce que je peux éventuellement vous montrer sur ma table. Donc, je suis dans mon bureau, confinement oblige. J'ai demandé à toute la famille de se mettre en partage de connexion sur leur téléphone pour me laisser le Wi-Fi. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc, si vous regardez sur un ordinateur, normalement sur votre droite, vous avez un petit chat. Je vais essayer de moi de mettre un petit message dessus. On va voir si ça fonctionne. Voilà, normalement, là, vous avez un petit bienvenue de ma part. Bonjour, bonjour. Donc, super, ça a l'air de marcher. En fait, le chat, c'est mon retour. Donc, ça permet pour moi de savoir que ça fonctionne. Hello, Béatrice. Et donc, je ne vais pas répondre aux questions avant l'heure prévue, donc 14h30. Je vous explique. Bonjour, Camille. Je vous explique un petit peu comment je prévois de faire ça. Donc, ça va durer 1 heure, de 14h30 à 15h30. Si jamais il y avait un problème technique pendant ce temps-là, genre problème de débit ou autre chose, ben je filmerai le reste des réponses et je mettrai ça en ligne comme je peux. Donc, bon, voilà, on est dans l'impro total. Au confinement oblige, il faut trouver des solutions et voilà. Donc, ça, c'était un peu la solution à mon problème de ne pas pouvoir donner mes cours, organiser mes stages. Et en fait, cette activité-là, c'en est une que j'affectionne particulièrement. Donc, voilà. Donc, c'était l'occasion de tester un live. Je vais donc répondre aux questions que vous avez posées. Ça sera possible aussi de poser des questions dans le chat, mais je ne sais pas parler et lire en même temps, surtout quand c'est des grandes phrases. Donc, si je loupe une question de votre part, ben, vous pouvez peut-être la reposer et je vous dirai aussi quand je serai prête à vous lire, en fait, hein, quand j'arrêterai de blablater de mon côté. Ben sinon, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe, on va dire, aussi bien que possible. C'est vrai que c'est une situation quand même très, très bizarre. Bonjour, bonjour Aline. Contente que tu sois là avec nous et très contente que vous soyez là toutes. Vous êtes déjà 5, je vois ça sur mon petit écran. Et on commence dans 5 minutes. Donc, en fait, vous pouvez en profiter s'il y a des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser avant. Donc, dans ce cas-là, ben, vous pouvez les poser maintenant. Et sinon, ben, racontez-moi peut-être sur ce sur quoi vous travaillez en ce moment. Je vous écoute dans le chat. Hein. Enfin, je vous lis. Je ne peux pas vous entendre, mais je peux vous lire. Moi, en ce moment, je travaille sur un chauffe-eau le tricot avec un fil fin et un fil mohair. Si vous m'avez vu sur des salons il y a quelques mois, je promenais mon premier prototype. Bon, le premier prototype a donné lieu à un peu de changement. Donc, maintenant, je travaille sur la version finale, on va dire, enfin, l'un des détails de la version finale. Et au crochet, je viens de finir quelque chose. Allez, allez, puisque vous êtes en avance, je vais vous en montrer un petit bout. Donc, bon, il faut encore rentrer les fils, hein. Et ça, c'est le petit quelque chose que j'ai terminé au crochet avec un point
un peu géométrique que je trouve moi assez sympa. Donc là, si mon retour caméra est fiable, ben, la couleur n'est pas top. C'est pas du tout ça. En fait, en réalité, là, c'est peut-être pas trop mal. Mais bon, il faut rentrer les fils et maintenant, il faut écrire les explications. Et je ne sais pas vous, mais moi, cette histoire d'épidémie et confinement, ça me travaille au niveau concentration. Donc voilà, il y a encore quelques personnes qui sont venues nous rejoindre. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Donc si vous regardez sur un ordinateur, notamment, vous devez avoir une petite case à droite de la vidéo où vous pouvez écrire un petit message pour dire bonjour et pour dire que vous êtes là. Alors, Aline, elle fait un châle au crochet, le saffron shawl, très sympa, assez facile. Super, hein? Donc, le saffron shawl, il va falloir que je regarde. Et allez, je vais peut-être faire ça en même temps. Non, allez, soyons pas trop optimistes au niveau de mes capacités techniques. Ouais, assez facile, c'est pas mal hein, comme un projet de confinement parce que, comme je vous ai dit, moi, les trucs compliqués en ce moment, c'est très long. Voilà. Allez, encore 2 minutes que je blablate hein, et on va commencer. Donc, en fait, je suis très contente parce que quand je propose quelque chose, je ne sais jamais ce que ça va donner. En fait, bon, en général, j'ai des bonnes réponses, mais on ne sait jamais. Et là, j'ai eu pas mal de questions. Bonjour Maureen, bienvenue. Et Maureen, notamment, a posé des questions. Aline aussi et Camille aussi. Donc, on va voir si j'ai le temps de tout voir. Mais sinon, de toute façon, je compte recommencer l'exercice si ça fonctionne correctement. Allez, je bois un petit coup d'eau et on va bientôt commencer. Ah, coucou Muriel, bienvenue. Contente que tu sois là. Donc, c'est un horaire qui est un peu compliqué pour pas mal de gens qui sont en télétravail. Donc, une prochaine fois, je pense faire ça un petit peu plus tard dans la journée. Ça va peut-être être plus facile. Voilà. Le suspense est fini parce que là, sur mon ordinateur en tout cas, on est passé à 14h30. Donc, on va commencer les réponses aux questions. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas de dire bonjour dans le chat. Ah, Aline, elle est en télétravail, mais Aline, elle est multifonction. Donc, elle télétravaille et elle regarde YouTube en même temps. Pourquoi pas? Ça marche très bien. Je suis sûre qu'en plus, tu crochettes en même temps. Bon. Je dis ça, c'est une blague. Hein, je n'accuse personne. Donc, je vous ai posé des questions. Ah oui, Camille fait son premier essai de chaussettes. Très bien. Ah oui, de l'orteil vers le haut. Ah oui, Aline, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail et qui n'ont pas beaucoup de choses à faire. Donc, Camille, je vais revenir à ta question sur les chaussettes. Je vais commencer par vous expliquer une question que j'ai eue, mais que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Parce que c'est Marie-Hélène qui m'a demandé « Je souhaite crocheter une couverture pour bébé. Quel point me conseilles-tu pour une couverture de 80 cm sur 80 ?» Combien de pelotes? Donc ça, c'est une grande question et c'est une question très intéressante. Mais je pense que je vais y répondre par un article sur le blog et peut-être une petite vidéo instructive aussi. On va voir comment je peux faire ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que finalement, c'est un sujet sur comment je crée un modèle. Et ça, c'est très sympa à aborder sous le format d'une couverture de bébé
parce que c'est très raisonnable comme premier projet. Mais donc, j'aborderai ça sur le blog et éventuellement ici sur YouTube. Coucou Janine, bienvenue. Et là, je vais commencer par une autre question, qui est, c'est Maureen hein, qui m'a demandé la signification de la qualification des laines, fingering, etc. Donc, on parle de laine fingering, DK. Je vais essayer de mettre ça là et pas faire trop de bruit. De sport ou sport et worsted. Donc, en fait, bon, vous le savez tous très bien, le fil, ça existe en plein d'épaisseurs. Et dans différents pays, on a différentes façons d'essayer de catégoriser les épaisseurs de fil. Et toutes ces façons, toutes ces tentatives de catégorisation, on peut le dire tout de suite, elles sont toutes imparfaites. Il y a toujours des expressions, pardon, il y a toujours des exceptions, il ne faut pas que je regarde le chat parce que je ne sais plus parler. Il y a toujours des cas particuliers. Mais c'est vrai que sous l'influence des États-Unis, notamment, hein, parce que cette catégorisation, elle est essentiellement américaine. On commence en France aussi beaucoup parler de ces catégories de fils. Donc là, le papier que j'ai imprimé, en fait, c'est extrait d'un site américain qui s'appelle Yarn Standards, donc standard de fils. Hein. Donc, on n'a pas encore la norme ISO pour les fils à tricoter. Mais ces définitions sont extraites de là. Donc, vous voyez là que j'ai commencé à entourer pour voir si ça marchait, le stylo. Et il marche encore. Donc, il y a la catégorie fingering, la catégorie sport, la catégorie DK et la catégorie worsted. Je vais me concentrer sur celle-là parce que c'est les plus courantes et celle que j'utilise moi-même. Et aussi celle-ci, donc là, ça on oublie, là c'est marqué lace et ici en français dentelle. Et ça, c'est ça correspond à ce qu'on comprend en français par un fil dentelle. Ah, bonjour Annie. Après, je trouve que les traductions françaises correspondent pas bien, mais on va voir à quoi ça correspond. Donc, en fait, ce système-là, donc le système américain, ça part sur la définition d'un échantillon type obtenu par le fil, avec le fil. Donc, avec un fingering, un échantillon entre 27 et 32 mailles au 10 cm, bien entendu. On parle pas de rang ici. Le DK, 21 à 24 mailles par 10 cm et le worsted, 16 à 20 mailles par 10 cm. Et après, on a une catégorie ici qui s'appelle sport, de 23 à 26 mailles au 10 cm. Mais bien sûr, donc là, on parle d'un échantillon type. Et qu'est-ce qu'un échantillon type ? Ce n'est pas forcément du tout l'échantillon que vous allez utiliser pour tricoter votre châle ou crocheter votre amigurumi, ou etc. Le système français traditionnel, c'est surtout basé sur la taille de l'aiguille. Donc, on va parler d'un fil qui se tricote en 3, un fil qui se tricote en 3,5, en 4, 4,5, en 5, etc. Donc, c'est deux façons différentes d'approcher les choses. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose de plus. Ça serait le ratio poids métrage. Donc, effectivement, si on reprend donc la catégorisation française, parce que là, on a les tailles d'aiguilles, donc un fingering sera un fil qui se tricote en 3. En sport, on dirait, on va dire à peu près 3,5. Un DK, 4, 4,5. Et un worsted, allez, on va dire 5. On va prendre des valeurs moyennes. Oui, mais
on part sur une sorte de d'étoffe moyenne obtenue avec ces aiguilles-là. Donc, il faut bien comprendre que c'est toujours une approximation. Donc, si j'ajoute le critère, le ratio métrage-poids, je dirais qu'un fingering, ça sera un fil qui est, on va partir sur une base de 50 grammes, qui est 200 mètres aux 50 grammes. Mais ça varie bien sûr, mais quelque part autour de ça. Le sport, je dirais autour de 150 mètres aux 50 grammes. Le DK, allez, on va dire entre, on va dire 110, hein, parce que j'allais dire entre 100 et 120. Et le Worsted, allez, entre 80 et 100, donc on va dire 90, même si ça, c'est un métrage qu'on voit assez rarement. Donc voilà, on peut combiner les quatre approches pour comprendre ceci. Aujourd'hui, on a une grande offre de field fingering. Je pense que c'est lié à la mode des fils teints à la main, tout simplement parce que c'est une grosseur qui peut se tricoter en 3, 3,5, voire jusqu'à 4 pour un châle. Au crochet, je le crocheterai en 3,5 ou 4, voire 4,5 si je veux vraiment déjauger. Et c'est comme beaucoup de teintures se font sur des écheveaux de 100 grammes, et ben ça permet déjà d'avoir un assez joli métrage parce que du coup l'écheveau typique de fingering va faire 400 mètres, donc on peut déjà faire un petit projet avec un écheveau, on peut faire un châle déjà d'une bonne taille avec deux, et on peut faire aussi des vêtements avec 2, 3, 4 échevaux, selon la taille qu'on fait, bien sûr, voire 5, bien sûr. Donc voilà, ça c'était mon petit résumé des catégories de fils. J'aurais besoin d'un petit retour dans le chat pour savoir si ça vous a un peu éclairé ou si les choses sont encore plus confuses qu'avant. J'attends 2 minutes pour vous laisser taper vos réponses. Ah, super, Marine. Si c'est ce que tu attendais, comme c'est toi qui as posé la question, ça va bien. Je pourrais peut-être faire aussi un petit merci Rachel, bonjour, contente que tu sois là. Donc je pourrais éventuellement faire un petit récapitulatif sur mon blog je me baserai sur mon petit papier et comme ça vous pourrez avoir la référence sous les yeux. Ensuite, je vais vous parler encore d'une question à laquelle je ne vais pas répondre parce que plusieurs personnes m'ont demandé où est-ce qu'on pique au crochet exactement dans la bride, dans le rang ou le rond, le tour en dessous. Ça m'a un peu rassurée d'avoir cette question de plusieurs personnes parce que c'est exactement le sujet de ma newsletter, mon tuto du mois de mars sur le crochet. Donc, je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Je vais vous demander de vous référer à la newsletter qui va sortir bientôt parce qu'elle sort à la fin du mois, donc la newsletter avec le tuto. Et d'habitude, je ne publie pas le contenu de la newsletter, on va dire, je ne le diffuse pas forcément sur les réseaux sociaux, sur mon blog, parce que c'est un peu réservé aux abonnés. Mais cette fois-ci, je vais faire un petit lien vers la newsletter pour que vous puissiez avoir la réponse à cette question épineuse. Voilà. Je regarde la suite des questions sur mon téléphone.
Je compte sur ta patience, Maureen, mais c'est en cours d'élaboration, donc ça va être bientôt. Donc, j'ai eu des questions aussi. J'avais publié un article, enfin, j'avais republié le lien vers un article. J'ai un peu travaillé précédemment sur des choses qui sont devenues d'actualité d'un coup, c'est-à-dire comment je remplace un fil par un autre, comment je peux travailler avec des fils ensemble. Donc, quand j'ai travaillé, à l'époque, j'utilisais une machine qui s'appelle un twister. Donc, c'est un peu comme un bobinoir, mais avec un bras supplémentaire, et je l'utilisais pour assembler du fil. Donc, j'ai arrêté d'utiliser le twister. Je l'avais acheté aux États-Unis. On m'a demandé où on pouvait le trouver. S'il existe encore, moi, en tout cas, je l'avais acheté, commandé aux États-Unis. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est pas la peine d'essayer d'en chercher hein, pour tout de suite. Et on peut très bien, en fait, juste tenir les deux fils ensemble. On aura peut-être une repartition un petit peu moins régulière, dans le tricot, le crochet fini. Mais je pense que c'est vraiment le truc le plus simple. Et effectivement, là, c'est le moment d'expérimenter avec tous ces restes. Donc, on peut aussi... Moi, je vais donner des exemples juste sur des fils fins. Mais bien sûr, comme demande Joël, on peut très bien doubler deux ou trois fils fins pour faire un fil plus gros. Et... faire effectivement ce qu'elle dit, des décorations, des poufs, des plaids, etc. Pensez juste aux couleurs. Ça peut être très intéressant de jouer avec différentes couleurs. Et si les couleurs sont très contrastées, ça peut aussi être des fois un peu difficile parce que on va pas trop voir vos points. Donc, c'est pas la peine de faire des points hyper sophistiqués si vous doublez des fils de couleurs différentes. Alors, allez, il est où mon petit motif? Parce que là, c'est quand même pas rigolo. Je vous laisse regarder mon petit motif pendant que je papote parce que tant que je ne vous montre pas des choses en direct, ma table, elle n'est pas très marrante. Camille, qui donc est en train de crocheter des chaussettes, me demande « As-tu déjà proposé ou réfléchi à un patron de chaussettes au crochet ?» Oui, Janine, elle est intéressée par le twister. Écoute, Janine, je peux toujours réfléchir dessus. Hein. Et bienvenue à Mick qui s'est joint à nous. Alors, donc, un patron de chaussettes au crochet, j'en ai jamais proposé. J'ai bien sûr réfléchi, Camille. Comment dire? C'est à la fois très intéressant. Il y a, je crois que c'était je crois que tu travaillais sur un modèle trouvé sur Ravelry. Peut-être Patience Cry Socks, oui, donc c'est un modèle en anglais, je pense, pour celles qui aiment essayer, qui préfèrent les modèles en français. Je crois que Sylvie Damé a un modèle de chaussettes, mais ça, bon, je n'ai pas vérifié, hein, je crois. Bien sûr qu'on peut faire des chaussettes au crochet. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se réfléchissent là-dessus. À la fois la grosseur du fil, parce que vous savez ou vous savez pas, mais quand on crochète et qu'on tricote avec le même fil, on n'obtient pas la même épaisseur, hein, parce que dans au tricot, en fait, votre fil va faire des boucles. Donc, les mailles tricotées, ce sont des boucles comme ça. Donc, je vais peut-être prendre un papier quand même. Donc, les mailles tricotées, c'est des boucles comme ça, qui sont interloquées. Donc, en fait, dans chaque maille, votre fil passe une fois comme ça. Et aussi dans l'autre sens. Et tandis que votre maille crochetée,
Donc là, je ne vais pas dessiner les mailles crochetées parce que je ne sais absolument pas dessiner une bride. Mais donc là, si vous regardez une bride comme ça, ben une bride, en fait, c'est un nœud. Et toutes les mailles crochetées sont des nœuds. Donc, le fil passe plus de fois dans la maille crochetée que dans la maille tricotée. Donc, le résultat est plus épais, tout simplement. Si je devais faire un patron de chaussettes de crochet, je crois que je testerais avec un fil plus fin que le fil à chaussettes qu'on propose en général, justement à cause de cela. Après se pose la question de l'élasticité. Effectivement, là, c'est une question de choix de points. On peut faire de l'élastique au crochet comme au tricot. Mais ça sera moins élastique tout de même que le tricot. Après, ça pourrait être la solution à un problème que j'ai souvent avec les chaussettes tricotées, c'est que je fais plein de trous dedans et au crochet, ça pourrait être plus solide. Mais en somme, personnellement, je préfère tricoter mes chaussettes. Donc, Janine nous dit que on peut faire des chaussettes au crochet. Je confirme, on peut le faire. Est-ce que vous aurez des commentaires ou des choses à apporter sur le sujet des chaussettes au crochet? Je vous laisse quelques instants pour taper dans le chat si vous souhaitez participer. Bon, on peut toujours y revenir si vous êtes en train d'écrire un long roman sur les chaussettes au crochet. C'est vrai que ça prend toujours un peu de temps de taper, beaucoup plus que de parler. Et j'ai l'impression en fait que je... Alors, Janine a un ancien modèle de Anel Maizet, je ne connais pas, au crochet. Ah oui, mais il y en a pas mal de... Oui, en anglais, Camille. Et Maureen a trouvé un tuto en français sur Pinterest de Mademoiselle Farfal. Mais elle n'a pas testé. Non, mais ça se teste. Je pense que le seul risque, en fait, c'est que vous pouvez avoir des chaussettes un peu épaisses et qui font peut-être plus office de chaussons que de chaussettes. Mais pourquoi pas? De toute façon, la construction sera la même. Donc, le modèle que Camille est en train de travailler se commence par l'orteil, donc c'est crochette vers le haut. Et il y en a d'autres qui commencent en haut et qui se crochettent vers le bas. Et ensuite, vous avez une construction comme les chaussettes tricotées, bien sûr, qui varie beaucoup, mais souvent un talon, un gousset et un orteil. En tout cas, de toute façon, les chaussettes, c'est très, très rigolo à faire parce que c'est très technique. Hein. Alors, Olivia me demande le point définitif sur la maille de début de rang. Ah oui, Camille utilise une pelote, je reviens sur les chaussettes, Camille utilise une pelote de Fable de Drop, ce crochet de... Je pense que c'est intéressant hein, de bien serrer, c'est un fil à chaussettes. Et Fable, donc c'est un fil à chaussettes classique, ça sera intéressant. De voir ce que ça donne. Hein. Tu nous montreras sur Instagram, Camille. Mais je pense que le crochet 2, c'est le bon choix. Et effectivement, Janine est un peu d'accord avec moi que ça fait plus chausson que chaussette. Mais on va voir ce que ça donne, les chaussettes de Camille. Hein. Donc, Olivia demande le point définitif sur la maille de début du rang ou du tour. Je ne suis pas la seule à me demander ce qu'il en est, je pense. Faut-il faire une ou plusieurs mailles en l'air? Combien? Compte-t-elle? Ne compte-t-elle pas? Etc. Ah, vaste sujet. Alors, normalement, si vous suivez des explications de crochet, pour les mailles en l'air en début de rang, ça doit être indiqué et ça doit être indiqué si ça compte pour une maille ou pas. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais ça doit être indiqué.
La raison pour laquelle ça doit être indiqué, c'est parce que, eh bien, on peut faire de différentes manières. Disons que, grosso modo, quand si vous commencez par une bride, je vais voir si je n'ai pas un autre petit échantillon de crochet par main. Donc, si vous commencez par une bride, comme dans le petit échantillon que j'ai ressorti pour pouvoir montrer deux, trois trucs après, très souvent, on nous dit trois mailles en l'air au début d'un rang. Si la maille suivante, et toutes les mailles sont des brides, si vous faites trois mailles en l'air en début de rang, en principe, ça va compter comme une bride. Et donc, ça veut dire que quand vous avez fini votre rang ou votre tour, vous allez piquer dans la troisième de ces mailles en l'air. Et ça, ça compte pour une bride, c'est-à-dire ça représente une bride. Donc, si par exemple, vous faites comme ici un rond et que vous allez travailler des brides dedans, et ça, donc là, on va typiquement vous dire trois mailles en l'air, parce qu'en rond, on est quand même bien obligé de remplacer la première maille par quelque chose. Hein. Donc, très souvent, ce sont des mailles en l'air. Donc là, on en a... Donc là, il y en a 16, hein, si je compte pas trop mal. Donc là, typiquement, on va dire on va crocheter trois mailles en l'air et ensuite, qui compte pour une bride. Ensuite, on va faire 15 brides et à la fin, on va dire on a 16 mailles. Donc, les trois mailles en l'air du but comptent bien. Après, comme vous avez pu le voir dans mes derniers newsletters, il y a plein d'autres façons de faire et moi je suis assez partisane d'autres méthodes, surtout en travaillant en aller-retour, que les trois mailles en l'air qui comptent pour une bride. Mais il faut vraiment se référer au modèle. Et souvent aussi, si vous avez une grille, là je n'ai pas sortie de grille, parce que bon, voilà, je ne suis pas super bien organisée. Mais si vous avez des grilles, donc en général, allez, on va faire un super petit dessin de nouveau. Donc en général, vous allez avoir votre point. Allez, on va dire que c'est un point avec des mailles en V comme ça. Donc ça, c'est des brides, ça, c'est des mailles en l'air. Donc, si mon rang, bon, je l'ai fait un peu à l'envers, hein, mais ça dépend. De toute façon, les grilles au crochet se lisent dans les deux sens. Ça, ça sera un bon sujet d'ailleurs. Donc là, par exemple, je vais lire mon rang dans ce sens-là. Et j'ai trois mailles en l'air ici. Donc, un bon truc dans ce cas-là, c'est de regarder de l'autre côté de la grille. Parce que dans l'immense majorité des cas, ça fait, c'est la même chose, c'est symétrique. Donc ici, typiquement, on va dire que ça, c'est trois mailles en l'air qui comptent pour une bride, parce que le rang se termine avec une bride. Si plutôt je commence comme ça, donc on va faire ça au rang suivant. Et après, bon, là, je ne vais pas bien me dessiner mes V, mais... Donc ici... J'ai deux petites mailles en l'air là, j'ai une bride ici et ça se termine avec une seule bride. Donc ça, c'est une bonne indication que ces deux mailles en l'air là, ce sont que des mailles pour tourner. Elles ne comptent pas pour une maille. Donc, Olivia, je suis désolée, ce n'est pas le point définitif parce qu'en fait, il y a plein de façons de faire. Mais voilà. Ce sont des indications, si vous ne l'avez pas, ou si par exemple vous utilisez un dictionnaire de points dans une autre langue où vous n'avez que les grilles. Donc ça dépend, ça peut dépendre à la fois de ce qu'on souhaite obtenir, de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'il ne faut pas non plus négliger cela. Et donc ça dépend beaucoup de la personne qui écrit les explications.
Voilà. Je ne sais pas si ça vous a éclairé un poil plus ou pas. J'espère. Mais effectivement, les dépenses définitives, il n'y en a pas. Et maintenant, vous pouvez aussi voir que je dessine des très moches grilles à la main. Je retourne vers le chat. Oui, super. Camille va continuer ce test et elle nous fera un retour sur son expérience. Muriel doit nous laisser. Au revoir Muriel, à bientôt. Et tu pourras toujours regarder la fin de la vidéo sur la chaîne YouTube parce qu'elle sera normalement archivée et apparaîtra dans les vidéos de ma chaîne. Donc Maureen, perso, je ne fais que 2 mailles en début de rang pour une bride, sinon c'est trop... Oh. Donc là, Maureen, tu veux bien dire que tu fais 2 mailles en l'air que compte pour une bride, pour remplacer la bride en début de rang. Est-ce que je te comprends bien? Donc, je laisse Maureen répondre. Mick dit oui, donc ok. Je vais revenir à ce que disait Mick. Donc, Maureen fait 2 mailles en l'air, donc, et en fait, dans ce cas-là, bah, elle n'en fait pas 3, elle en fait 2. Et ça va dépendre, en fait, de la hauteur, de la longueur de tes mailles en l'air. Donc, ça, c'est une très bonne remarque, parce que tout ça, les mailles qui remplacent et les mailles qui sont là uniquement pour tourner, c'est absolument à adapter en fonction de votre façon de crocheter. Si vous faites des mailles en l'air, parce que la maille en l'air, typiquement, une maille qui peut pas mal varier, soit elle est bien serrée, soit elle est plus lâche. Et parfois, moi, je sais que je crochète plus lâche si je fais un montage en maille en l'air, donc elles vont être plus lâches. Et après, les mailles, une fois que je commence à vraiment crocheter, vont être plus serrées. Donc, bien sûr, c'est absolument adapté. Et comme dit Béatrice, a constaté ça aussi. Et des fois, elle doit varier ça en fonction du fil, parce que je peux tout à fait imaginer que différents fils réagissent un peu différemment. Notamment, ça glisse plus ou moins facilement, donc ça peut vraiment avoir un effet sur la longueur de la maille en l'air. Ce qui est en question ici, hein, parce qu'il s'agit en fait de monter à la hauteur des autres mailles du rang. Mick nous dit que en faisant 3 mailles en l'air en début de rang qui ne comptait pas pour une bride, donc refaire une bride comme indiqué dans le modèle, le résultat n'était pas droit, ça faisait un petit bourrelet. Effectivement, ça vraiment 3 mailles en l'air et ensuite une première vraie maille de rang qui est une bride, effectivement, je pense que c'est beaucoup trop les 3. Donc là, on peut réduire à 2. Et j'ai récemment parlé dans ma newsletter, il y a aussi ici sur ma chaîne YouTube une petite vidéo qui montre comment on peut assez bien égaliser les bords si on fait 2 mailles en l'air qui ne comptent pas pour une bride suivie d'une bride. Il y a une petite histoire à faire en fin de rang. C'est tout simplement 2 brides rabattues ensemble dans la dernière maille. Et c'est très intéressant parce que même avec 2 mailles en l'air, ça fait quand même une toute petite vaguelette si on ne fait rien en fin de rang. Et pour égaliser ça, cette astuce que je n'ai absolument pas inventée, mais trouvée sur Internet, mais filmée et mise sur ma chaîne, ça peut être bien utile. Alors... Donc, c'est très intéressant vos retours. Donc, Olivia avait aussi la question de la bride exactement où on pique. Donc, ça, on va y revenir dans la newsletter du mois, enfin, dans le tuto du mois, parce que je viens de passer à une fréquence un peu plus rapprochée des newsletters. Donc, il n'y a toujours qu'un tuto. Ok, mais si ça a été utile pour toi, ça c'est absolument parfait. Question plus personnelle, comment ne pas trop forcer sur la main gauche, notamment quand on crochète des petits formats?
Je connais Olivia qui a posé cette question. Donc, c'est une question. Elle travaille beaucoup dans des fils, bon, des fils notamment métalliques, mais aussi d'autres fils et avec des crochets très fins. Mais je pense que ça parle à la question et en concerne toutes les crocheteuses. Donc Olivia a la malle à la main gauche. Donc si je savais exactement ce qu'il fallait faire pour jamais se faire mal en crochetant, je crocheterais toute la journée sans aucun problème parce que j'adore faire ça. Mais personnellement, je ne peux pas parce que si je crochais toute la journée, c'est une certitude, j'aurais une tendinite. Donc personnellement, je fais des pauses. J'essaye de ne pas crocheter plus que maximum 1 heure à la fois, voire un peu moins, après faire une pause, faire autre chose et revenir. Et je pense aussi que pour la main droite, la prise en main du crochet compte. Donc moi, j'ai une prise en main comme ça, comme beaucoup de gens en Europe, mais pas du tout tout le monde. Oui, Rachel, Olivia a mal à la main gauche. Je viens à ça. Moi, je vais parler un petit peu la main droite. Donc, moi, je tiens comme ça. Donc, comme un stylo, en fait, mon crochet. Et j'ai souvent mal un peu par là. Et voilà. Beaucoup d'Américaines, mais aussi des Françaises, j'ai vu, et peut-être toi, Rachel, qui fait beaucoup de crochets tunisiens, tiennent comme ça, un peu comme un couteau, en fait. Et je pense que cette prise en main, en réalité, est moins fatigante pour la main et qu'on peut crocheter plus longtemps. Ouais, j'avais bien deviné, Rachel tient comme ça. Donc, c'est la prise que même moi, qui a l'habitude de tenir autrement, mais moi, je fais comme ça au crochet tunisien. Et je pense que c'est beaucoup moins fatigant. Donc, il faudrait que je m'habitue à faire comme ça. Et je suis extrêmement paresseuse. Donc, je ne le fais pas. Béatrice dit que l'ostéopathe fait des miracles après des heures de crochet. Effectivement, bon, l'idéal, c'est quand même... qu'on ne crochette pas au point d'avoir besoin d'aller chez l'ostéopathe. Faut te calmer un petit peu, peut-être. Et Rachel dit que cette prise fait plus mal au pouce. Je pense que ça peut être vrai aussi. Donc, pour la main droite, effectivement, le fait d'expérimenter avec différentes façons de tenir son crochet, je pense que c'est très, très bien. Pour la main gauche, je pense je sais que moi, j'essaye en fait de... C'est difficile quand on travaille avec des choses très précises et méticuleuses. J'essaye de tenir mes mains aussi bas que possible en fait. Donc là, je les ai à hauteur de la table, mais en fait, j'essaie de figurer que je les tiens vraiment au niveau de mes genoux. Et ça détend les épaules, les bras, les mains. Et je pense que c'est vraiment très, très utile. Après, oui, effectivement, je réitère l'idée de faire des pauses. Pas besoin qu'elles soient super longues, les pauses, mais bon, quand même. Et peut-être profiter de cette pause pour faire quelques exercices d'étirement et un peu d'automassage des mains. Il y a des super, super tutos sur YouTube. Et je crois que vous pouvez googler soit, chercher sur YouTube, je crois que Élise Dupont a fait des exercices pour les tricoteuses qui vont parfaitement bien pour les crocheteuses aussi. Donc, essayez ça, parce que c'est quand même dommage de se faire mal et devoir aller chez l'ostéo, aller chez l'ostéo, ce n'est pas le pire qui puisse arriver. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se fait suffisamment mal qu'on est obligé de mettre ses mains au repos, ce qui veut dire qu'on ne peut plus crocheter pendant trop longtemps, ni tricoter. Donc, ce sont mes idées là-dessus. Effectivement, Rachel n'arrive pas à tenir comme un couteau, elle tient comme un stylo. C'est ce que je fais moi aussi, même si je pense que ce serait peut-être mieux autrement.
Et donc, Janine, qui est dans le chat, a posé une question. Est-ce qu'il y a une astuce pour reconnaître l'endroit et l'envers au crochet? Ce que je trouve est une super question. Donc, là, c'est pas... Béatrice tient à préciser qu'elle n'est pas galée que pour ça. Non, moi, je te crois bien, hein, je te crois vrai. Et l'ostéo, c'est miraculeux. Hein. Quand on a mal, l'ostéo, c'est quand même fantastique. Hein. Moi, je sais que le mien m'a sauvé la vie plus d'une fois. Donc, comment reconnaître l'endroit de l'envers quand on crochette? Excellente question. Et donc, en fait, de deux choses l'une, et je pense que ça peut être le plus important quand on crochète en rond. En fait, donc là, c'est un motif, mais ça pourrait aussi être un tube, hein, comme dans les chaussettes d'ailleurs. Comment reconnaître l'endroit de l'envers? Et effectivement, c'est crucial quand on crochète un motif, parce que, admettons que là, par exemple, j'ai crocheté en deux couleurs, et là, je finis mon cœur, je le pose de côté, je le reprends, et je ne sais pas quel côté je vais utiliser pour continuer avec ma deuxième couleur. Ou même en unicolore, je pose mon travail à la fin d'un rond et je risque de repartir dans l'autre sens. Donc, quand on tient son travail crocheté comme ça, ici, vous voyez les petits, moi j'appelle ça des petits V. Oups, l'autofocus là, pas très envie de collaborer, mais je crois que vous voyez quand même. Donc, il y a des petits V là tout le long. Et quand vous les voyez, quand vous avez les choses devant vous comme ça et que vous les voyez ou vous les apercevez là sur le dessus, c'est que vous êtes sur l'endroit. Parce que si je tourne, là, il n'y a plus de V. Hein, il n'y a plus de V. Il faut vraiment que je bascule le travail quasiment à 90 comme ça pour les voir. Donc, je suis sur l'envers. Donc, c'est important quand on travaille des motifs parce que, comme vous, je pense que vous pouvez le voir là, c'est quand même pas exactement la même chose, l'envers et l'endroit. Hein. Les mailles là sur l'endroit sont mieux définies, ça prend un aspect quand même beaucoup plus clair. Oh, révélation! Alors ça, j'adore. Voilà. Donc, par contre, dans un travail comme celui-ci, hein, donc là, bon, c'est juste un échantillon, hein, mais il y a plein de choses qu'on fait comme ça en aller-retour. Hein. Et en fait, l'endroit de l'envers, ça existe. Hein, là, on vient de finir le rang, donc on voit les petits V. Hein, et si je retourne pour continuer mon travail, je ne les veux pas, sauf si vraiment je plie, quoi. Donc là, c'est l'envers. Mais dans un travail comme ça, pour la hausse, deuxième révélation, génial. Dans un travail comme ça, ça a beaucoup moins d'importance, sauf, je vais vous donner une exception évidemment, mais parce que en fait, de fait, vous allez faire un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, vous allez alterner comme ça tout le long et dans l'ensemble, ça sera réversible. Donc ici, en fait, ici, de ce côté-là, là, sur mon tout petit échantillon où il y a trois rangs, là, celui-ci, il est à l'envers, celui-ci, il est à l'endroit, celui-ci, à l'envers. Donc effectivement, si je retourne, j'ai un rang où je vois l'endroit, un rang où je vois l'envers et un rang où je vois l'endroit. Mais si je continue à monter comme ça, mon point, ça n'aura aucune importance parce que ça sera réversible. C'est juste important si vous manipulez, vous faites des rayures fines, vous travaillez avec un rang à la fois ou vous faites un point qui a vraiment un endroit et un envers parce qu'on a des points, mais en travaillant en aller-retour où on a vraiment l'élément visuel le plus important sur un rang et que c'est suivi par un rang qui est juste un petit retour pour recommencer de l'autre côté. Mais voilà, l'histoire de l'endroit et de l'envers au crochet.
On peut se guider à la file de démarrage, disons en bas à droite sur l'endroit. Oui, mais ça dépend un petit peu. Parce que ça dépend si tu commences en maille en l'air ou si tu commences avec une espèce de un montage en maille serrée. Je partirai plus sur l'identification du dernier rang ou du dernier tour ici. Hein, parce que là, c'est exactement la même chose au milieu, même si ça sature un peu avec le rouge. Autre astuce, si on a un peu du mal à se et on risque de se perdre, c'est de simplement, sur le côté qu'on considère comme l'endroit, mettre un petit, une petite épingle à nourrice ou un petit marqueur. Après, Janine, si tu commences toujours de la même manière, ta méthode fonctionne, hein, de se guider par le bout de fil qui est au début. Mais je suis une grosse adepte de la capacité de lire son travail pour se repérer et je pense que vraiment la lecture du dernier rang ou du dernier tour est préférable. Donc, il y a deux révélations. Est-ce que vous aviez des questions à propos de cette histoire en droit en vert? Pendant que j'attends vos éventuelles questions, je ne sais pas mettre le téléphone dans le champ de la webcam parce qu'en fait, j'ai noté vos questions sur le téléphone. Donc, tu feras comme moi. Ben voilà, super. Merci à toi. Janine avait aussi la question est-ce qu'il y a un truc mémotechnique pour différencier la bride de la demi-bride? Au bout de X années de crochet, je suis encore obligée de chercher, ça ne veut pas rentrer dans la caboche. Alors ça, je n'ai pas vraiment de moyens mémotechniques. Hein. C'est vrai que la bride et la demi-bride commencent de la même manière. Donc, la bride, vous faites un jeté, vous rentrez dans votre travail, vous piquez le crochet, vous ramenez le fil et ensuite, vous faites un jeté, vous en écoulez deux, vous faites un jeté, vous en écoulez deux. Donc, ça, c'est la bride qui est, je dirais, la maille la plus courante au crochet. La demi-bride, vous commencez exactement pareil. Un jeté, vous piquez, vous ramenez le fil, vous en avez trois, et là, d'un coup, vous écoulez les trois. Alors, personnellement, je n'ai pas de moyen de mémotechnique, si quelqu'un en a, je veux bien. Pour moi, la demi-bride, c'était très longtemps la maille que je n'arrivais pas à faire, parce que je m'accrochais, en fait, dans les jetés. Et c'est, j'ai appris vraiment à, vous voyez, je passais deux, trois, ça faisait beaucoup. Donc, pour ça, je sais que ce n'est pas ta question, Janine, mais pour ça, attraper le fil, tourner vers le bas et tirer un petit peu sur le travail pour ménager une belle ouverture pour votre crochet. Et ne vous énervez pas si vous accrochez, hein, vous pouvez toujours recommencer. Moyen mémotechnique, il va falloir que je réfléchisse encore, Janine. S'il y a des gens qui ont des astuces, vous êtes bienvenue à les partager. Bon, Aline, tu ne garantis pas d'y arriver, mais c'est en essayant et en se trompant qu'on arrive à faire les choses finalement. Il n'y a pas de souci si on n'arrive pas du premier coup. Alors, Rachel n'a pas d'idée pour un moyen mémotechnique. Elle ignore pourquoi ces points s'appellent bride et demi-bride. Et Janine continuera à regarder son papier. Oui, c'est toujours une solution, c'est très bien. Et effectivement, Rachel, je ne sais pas non plus pourquoi ces points s'appellent bride et demi-bride. Parce que la terminologie du crochet, c'est un peu... c'est pas très logique toujours. Bride, demi-bride, c'est vraiment que de la convention.
Et on ne sait pas pourquoi ça s'appelle Bride et Demi-Bride. Les mystères du français, oui. Mais c'est assez mystérieux dans les autres, l'autre langue aussi. Pour l'anecdote, je peux vous donner la traduction littérale du suédois pour les mêmes mailles, c'est poteau et demi-poteau. Donc, bride au poteau, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, Aline m'a posé des bonnes questions. Je dirais demi parce que l'on passe qu'une fois peut-être. Oui, bien sûr, et on passe qu'une fois et ça a aussi pour effet de donner une maille moins haute. Hein. C'est entre la maille serrée et la bride en hauteur, la demi-bride. Ah, et en néerlandais, c'est bâton et demi-bâton. Oui, c'est rigolo, hein. C'est très marrant. Hein. Entre les poteaux et les bâtons, on ne sait pas pourquoi telle langue a choisi tel mot. Aline, au tricot et au crochet, comment changer de couleur? Tricot sans trop tendre et crochet sans que ça se voit. Donc, je n'ai pas d'échantillon au tricot là, à démarrer avec moi. Non, il ne faut pas tendre le changement de couleur. Donc, en fait, si tu changes simplement d'une couleur à l'autre, cherche pas à fixer tes fils tout de suite. C'est un peu pénible parce que ça se détend quand on tricote dedans et on a l'impression d'avoir un énorme trou. On peut éventuellement faire un nœud entre les deux fils, un nœud simple, pour maintenir un peu tout ça en place. Et ensuite, tu entreras ton fil quand tu rentres tes fils à la fin, tout simplement. Et là, tu feras attention à ni trop serré, ni pas assez, en fait. Ça, c'est un point un poil délicat, mais si c'est dans la lisière, ça ne pose pas de problème. En re-regardant ta question, je me dis que c'était peut-être en jacquard, je ne sais pas. Mais là, c'est tout un autre sujet. Donc, au crochet, par contre, là, j'ai un truc en cours et je vais pouvoir te montrer en direct sous vos yeux ébahis. Parce qu'effectivement, si là, j'ai fait une bride en gris. Si maintenant, je prends juste mon fil et je fais une bride, donc hop, je vais tenir comme ça. Je commence ma bride en rouge, je la termine, hop. En fait, cette bride-là, elle n'est pas complètement rouge. Hein. Elle a un petit chapeau en gris. Pourquoi? Parce que la boucle que vous avez sur votre crochet, c'est la boucle qui va fermer la maille qui suit. Donc là, si je refais une bride ici, la dernière boucle qui se rabat sur le dessus de la maille, c'est celle qui était sur le crochet au début. Donc ici, j'ai commencé ma bride quand j'ai complètement terminé celle-ci. Donc, ma boucle qui était sur le crochet, elle était grise. Et le dessus de cette bride est grise. Et effectivement, ça fait un changement de couleur qui n'est pas net. Et ça se voit vraiment. Alors, l'astuce consiste en fait à ne pas terminer la maille complètement. Donc, je vais faire une maille de plus pour montrer. Donc, je fais une bride. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène mon fil, j'ai trois boucles sur mon crochet, je fais un jeté, j'en écoule deux. Et là, j'arrive à la dernière étape de cette bride qui va être un jeté, j'écoule deux. Et au lieu de faire ça avec mon fil gris, je vais prendre mon fil rouge et je fais un jeté et j'en écoule deux. Et là, j'ai fait une bride complètement grise, mais maintenant,
la boucle qui est sur le crochet est rouge. Donc, quand je veux faire ma première maille rouge à côté, je fais ma bride. Et cette bride-là est complètement rouge. Donc, il s'agit de prendre le nouveau fil directement. Il ne faut pas que je lise le chat en même temps que je parle. Il s'agit d'utiliser le nouveau fil pour la toute dernière étape de la maille précédente, le changement de couleur. Voilà, deuxième révélation pour Aline. Voilà, c'est une petite astuce, mais ça fonctionne très, très bien. Donc, j'ai souvent cette question. J'avais fait un newsletter il y a quelques années. Je pense que je finirai par en refaire une nouvelle et peut-être une vidéo ici aussi, parce que ce sont des choses qui peuvent peut-être paraître un peu basiques, mais si on les a pas en place, le reste, on n'arrive pas à faire. Donc, pour revenir à la demi-bride, en fait, quand vous faites... allez. On va faire ça ici en direct. Donc là, vous faites votre jeté, vous piquez. Donc ici, maintenant, il ne reste qu'une étape. Je veux faire un jeté, je vais coller toutes les mailles. Donc là, si je veux continuer en gris après, je fais ça avec le gris. Et encore une fois, cette maille-là, elle est entièrement rouge et celle qui sera après sera entièrement grise. Donc, c'est remplacer la dernière étape, donc qui est souvent un jeté, j'écoule X boucle. C'est comme ça. Alors, la première boucle, d'où la question, la première boucle rouge appartient à la bride précédente ou à la bride rouge? C'est pour compter. Eh bien, la boucle qui est sur ton crochet, Maureen, n'est pas une maille, c'est une boucle. Donc, pour compter tes mailles, ce que je te conseille de faire, c'est, on va encore une fois se baser sur les V en haut, hein. Donc, celle-ci, c'est la boucle, donc on s'en fiche en fait, hein. Elle peut devenir une maille, mais elle ne l'est pas encore. Donc, pour compter les mailles dans mon rang, je tourne le travail un tout petit peu vers moi et je compte les V. Donc ça, ce n'est pas un V, c'est la petite chaînette au début que j'avais fait pour monter. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de compter les mailles sur le dessus du rang. Parce que si vous avez des diminutions ou des mouchets, c'est-à-dire plusieurs mailles travaillées ensemble mais qui sont à la fin donc rabattues ensemble, vous allez vous embrouiller ici. Par contre, sur le dessus, un V, une maille. Pour revenir sur la demi-bride, Camille dit que la demi-bride donne une meilleure couvrance, je trouve, et je trouve comme toi. Parce que les brides, étant des mailles plus hautes, on a souvent des petits jours comme ça. Et moi, si je veux faire quelque chose de couvrant, oui, sans que ce soit trop dense, je vais utiliser aussi des demi-brides, souvent en travaillant sous un seul brin, on en parlera plus tard. Pour revenir à Aline, elle veut changer de couleur à la lisière parce que le jacquard est encore trop pointu pour elle. Tu sais que Aline, je commençais à faire du jacquard il y a 2 ans, hein, donc... et en fait c'était beaucoup plus facile que je pensais. Mais donc à la lisière, tu laisses simplement pendouiller ta couleur précédente et tu commences ton rang au tricot donc avec la nouvelle couleur et tu laisses tout ça comme ça et tu t'en occupes à la fin quand tu rends tes fils. Voilà. Et comment faire mailles serrées, comme dit Béa, parce que Béa a demandé, quand tu fais des mailles serrées en rond, comme par amigurumi, comment faire pour ne pas avoir de démarcation lors de rayures, par exemple. Alors, donc, je pense que vous voulez dire que vous faites un amigurumi, donc vous travaillez un petit personnage en rond. Et en fait, quand on ferme le tour, surtout que...
Est-ce que vous travaillez en spirale, les amygurémies? Parce que là, vous aurez toujours le décalage. Donc, l'astuce consiste à bien donc fermer vos tours. Quand vous avez un changement de couleur, vous arrêtez de travailler en spirale et vous allez fermer le tour. Et vous allez fermer le tour avec une astuce que vous trouvez ici, détaillée dans une vidéo ici, sur ma chaîne, qui consiste, en fait, je vais essayer de faire ça un peu à la va-vite. Non, je vais quand même aller jusqu'au bout. En fait, le truc, c'est... Regardez comme c'est moche. Mais c'est juste pour... Et si je te crochette le bout, on ne va pas y arriver. Hein. Mais bon, vous avez une vidéo plus détaillée, mais je vais quand même vous montrer comment je fais. J'ai trouvé ça, j'ai travaillé sur un modèle que je n'ai pas fini encore, mais en point mosaïque, et c'est exactement la même... Oh là là, c'est pas possible. Même problématique, à part le fait de ne pas savoir avec quel fil crocheter, ce qui m'arrive très souvent. Maureen dit, tu as fait une vidéo là-dessus, j'ai vu tout à l'heure les rayures en rond. Donc, c'est exactement ça. Je vous montre juste là. Et après, celles qui sont intéressées peuvent aller pour plus de détails, aller voir cette vidéo. Donc, en fait, cette façon de fermer, ça consiste à ne pas faire, donc pas continuer à travailler en spirale, et pas faire de mailles coulées, simplement prendre la boucle, vous allongez un peu pour ne pas la perdre, vous insérez le crochet dans ce sens-là, dans la première maille du rang, et vous allez attraper, je fais un truc qui a ni queue ni tête là, cette boucle-là, et vous allez fermer. Vous resserrez celle-ci et si vous voulez faire un changement de couleur, là, vous le faites à ce moment-là en faisant une maille en l'air. Parce qu'après, vous pouvez serrer ce fil-là et ne plus avoir... Je vais essayer de trouver un fil pour vous le montrer quand même jusqu'au bout. Vous faites une maille en l'air. OK. Et vous resserrez le fil rouge et il disparaît derrière. Voilà. C'est ça l'astuce. Donc, vous regardez la vidéo ici sur la chaîne qui est plus détaillée et mieux filmée parce que ce n'est pas en direct. Et vos amygurémies ne seront plus jamais décalées. Merci Janine. À plus. Effectivement, Janine s'en va et je regarde l'heure et en fait, on arrive à 15h30. Donc, je regarde quand même vite fait les questions qui restent. J'y répondrai une prochaine fois. Je referai, je préfère faire plusieurs fois un peu plus court. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez absolument pas à me les envoyer par mail ou même en commentaire sous cette vidéo, une fois qu'elle sera en ligne. Ça, c'est parfait. Le temps est passé très vite. Alors, je regarde juste ce que dit Aline. Pour les autres, on a un projet châle en commun au crochet. On nous a dit de faire des doubles brides. À la fin, on s'est aperçu qu'il fallait faire des demi-brides. Oui. Oui, Aline m'avait déjà parlé de ce problème et effectivement, c'est vraiment dommage, mais elle était partie sur une explication qui était erronée. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, la vidéo sera normalement archivée automatiquement pour apparaître directement sur ma chaîne YouTube. Donc, moi, je vous donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine. On va dire que ça va être le mercredi aussi, mais à 17h30. Comme ça, avec un peu de chance, les personnes qui doivent travailler pourront peut-être se libérer. Ce sera une heure de 17h30 à 18h30, donc ce sera
avant la préparation du repas de soir qui, en tout cas chez nous, a une très grande importance. Tous les repas ont une très grande importance en cette période de confinement. Merci beaucoup à toutes. Donc, pour une nouvelle session réponses et questions, pensez à vos questions-réponses, pardon. Pensez à vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer. On se retrouve la semaine prochaine à 17h30. On essaye ça. Ok, Marine dit, grâce à moi, j'ai un rendez-vous par semaine dans mon agenda. Ouais, il faut structurer nos journées, hein. C'est compliqué. J'étais ravie de faire ça. Merci pour votre patience. C'est toujours un peu moins structuré en direct qu'une vidéo éditée. Mais c'est vrai que le direct, ça a vraiment son charme. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage à tout le monde. Le confinement, c'est pas facile, mais on sait pourquoi on fait ça. En fait, on reste chez nous pour essayer de sauver un maximum de vies. Maureen dit, attention, mercredi prochain, c'est le 1er avril. Oui, mais ce n'est pas une blague. Je serai bien là. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos commentaires, votre participation dans le chat. C'est super parce que ça, c'est beaucoup plus facile là, de continuer à parler comme ça toute seule en ayant l'échange avec vous. Et si vous le souhaitez, je vous dis à la semaine prochaine.